Bonjour, bonjour! Dans cette vidéo, on est parti pour la découverte d'un tout nouveau jeu sur mobile. C'est Teamfight Tactics. Bon, ok, ok, le jeu, il n'est pas tout neuf. En réalité, il a 6 mois, mais il était sorti sur PC uniquement. Donc, il était disponible sur le client de League of Legends. C'est un jeu qui a été créé peu de temps après Auto Chess. Et c'était un peu la vague de genre de jeu en fin 2019 qu'on appelle des auto-battlers. En gros, vous sélectionnez des unités et elles vont se battre automatiquement pour vous. Vous pouvez choisir les types d'unités que vous voulez, les items que vous voulez mettre dessus, etc. Les positionnements, enfin vous allez voir, c'est quand même assez complexe. Il y a pas mal de choses. C'est sorti aujourd'hui, jeudi 19 mars sur Android et iOS. En plus, je sais qu'il y en a pas mal qui me regardent, qui sont uniquement mobiles. Ça devrait vous régaler, ça devrait vous faire plaisir. C'est ce qu'il est, c'est intéressant, c'est plaisant, c'est profond. C'est Teamfight Tactics et c'est maintenant. Nous voilà dessus, donc moi je suis sur mon iPad, tranquillement. J'ai le petit jeu qui est là juste en dessous, donc je vais aller un petit peu par là. Et on va faire une partie dessus. Alors moi je ne suis pas un expert de jeu, hein, j'ai jamais joué à la vraie version, enfin j'ai fait une fois une partie sur la version, enfin la vraie version, la version PC. Donc je connais très peu le jeu, mais je connais l'univers, je vois globalement comment ça fonctionne. Et je pense qu'on peut prendre un petit moment, on peut s'éclater à faire une partie ensemble et découvrir ensemble un petit peu à quoi ressemble cette version. J'ai fait le tutoriel, donc vous voyez, il y a 3 modes de jeu. J'ai fait le petit didacticiel pour me remettre un peu dedans, donc c'est bon, je vois les bases, je vois l'idée. Je connais pas les optiques pour l'instant en deck building, etc. Mais c'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est que vous voyez déjà un petit peu à quoi ça ressemble. On s'éclate ensemble à découvrir le jeu, donc voir est-ce que la version mobile est bien, est-ce qu'elle est bien construite, est-ce qu'elle est agréable, est-ce qu'elle est fluide. Et globalement, ça vous permet de découvrir un nouveau type de jeu. C'est parti. Potentiellement, ou alors simplement tu regardes parce que ça te fait plaisir et c'est bien aussi. Alors on est parti en mode normal, jouer, c'est parti. Donc là, on choisit si on veut lancer avec des potes déjà existants ou pas. On dit, ah non, on n'a pas d'amis. On n'a pas d'amis, c'est le chagrin. On lance sans amis. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir choisir dans un premier temps un champion. Et en fait, vous allez voir, on va avoir plusieurs champions. Il y a la boutique et les champions, ils ont une classe et une faction. Et en fonction des bonus de faction et de classe de vos personnages, ça va vous donner des bonus. Donc le but, c'est de faire une synergie. C'est un, prendre plusieurs fois les mêmes personnages et deux, faire une synergie en fonction des races et des classes de vos personnages. Par exemple, vous allez avoir des boosts genre plus d'attaque speed, etc. Par exemple, si vous prenez les chronos, ils vont avoir plus d'attaque speed. Et donc, plus vous en avez, plus ils vont avoir de la vitesse d'attaque en plus. Et par exemple, sinon, le truc basique, c'est quand vous prenez un champion, par exemple Caitlyn, qui est un champion, si vous le prenez 3 fois, vous avez une Caitlyn niveau 2. Si vous prenez 3 fois une Caitlyn niveau 2, donc au total 9 Caitlyn, vous avez une Caitlyn niveau 3. Et là, elle devient grave badass. Voilà un petit peu pour les bases. Un petit peu, ça c'est les bases, des bases, des bases. Il y a également des objets qui donnent des stats, qui peuvent être combinés, qui permettent à vos personnages d'être plus forts. Ouais, je l'ai eu! Oui, oui, oui! J'ai ma Caitlyn! Oh, je suis refait. Ah, en plus, il y a sa vitesse d'attaque et tout là, parfait. Donc là, je la mets sur le terrain, tranquille. Là, il y aura des petits monstres en face, mais voilà. Pour l'instant, il n'y a rien de plus. À droite, vous voyez l'information qui est à droite, tout à droite là-bas, c'est des différents invocateurs. C'est les différentes personnes qui jouent la partie. Et bah nous, on est une des personnes qui jouent la partie. À gauche, vous voyez les factions. C'est parce que Caitlyn est un sniper. En gros, les snipers infligent 12% de dégâts supplémentaires pour chaque hexagone de distance entre eux et leur cible. Ah ouais, quand même. Elle le démonte, hein, on est d'accord. Ouais, elle met son ultime, elle le démonte. Donc moi, je peux les récupérer les butins avec ma petite bête. Là. Ah ouais, quand même. Not bad. Ok, round 2. Donc là, je peux choisir des trucs. Je vais reprendre un chrono. Je vais prendre des chronos et puis du sniper s'il y a. Nanana, mettre des lames. Donc non, pour l'instant, je prends que ça. Je prends lui parce que... parce qu'il est de la même faction. Ça fait chrono, ce qui nous fait un boost de vitesse d'attaque entre nos personnages. Donc ça, c'est cool. Ensuite, j'ai des objets. J'aimerais bien les mettre. Ouais. Plus 20 de mana. Donc on va le mettre sur Caitlyn, je pense. Ah ouais, celui qui fait un statique et de résistance magique, je peux lui mettre aussi. Bon, allez. Ok, je peux avoir une Caitlyn surboostée, ça me va, ça me va. Donc nous, il va falloir bien qu'on prenne les factions qui correspondent à ce qu'on a. Donc j'ai un sorcier, un sniper et deux chronotes. Donc je vais essayer de chercher les chronotes en priorité pour essayer d'avoir les full bonus de vitesse d'attaque. Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Donc là, par exemple, j'ai Blitzcrank, Chronaute. J'ai un deuxième TF, donc je prends direct, en gros. Là, j'ai des mecs de faction. Je peux en mettre un troisième, donc on va en mettre un troisième. En fait, suivant le niveau que vous avez, donc là, vous ne pouvez pas, parce que j'ai ma caméra devant, c'est pas très gégé, ça. Je vais vous la mettre ailleurs, la caméra, genre par là-bas. Un petit peu plus petit.
Let's go. Donc, là, les premières vagues, c'est contre des monstres. Après, on va être contre des vrais gens. Vous en faites pas, ça va vite devenir sacrément galère. Donc là, ouh, il y a des gros monstres en plus. Hein. Des gros monstres un peu badass. Hein. Là, le combat, il se déroule tout seul. Donc là, vous avez rien à faire. Ce que vous choisissez, c'est l'emplacement de base de vos personnages. Ouh. Ah, pas mal, ça aussi. Pas mal, la petite ceinture. Ok, shop, shop, shop. Ok, une deuxième captain, ça on prend directement, on n'attend pas. Et là, on peut réactualiser le shop pour deux, mais du coup, on va pas le faire, parce que si on réactualise, on ne peut plus rien racheter. Donc, c'est pas ouf. Et ça, 200 PV, je vais le mettre sur mon petit Blitzcrank, je pense. Il est là pour tanker un petit peu, il est là pour le beau jeu, Blitzcrank. J'hésitais à le remettre sur captain, mais je sais pas à quel point il faut à full booster un personnage ou faire un petit peu plus, être un peu plus soft. Ah, j'ai un Malphite, c'est marrant ça. D'ailleurs, j'aurais pu vendre mon Malphite parce qu'il me sert à rien. Je pense que j'aurais dû vendre le Malphite, mais je peux encore le faire d'ailleurs. Voilà, ça me fera des pièces pour acheter des personnages. Ah ouais, eux ils font des jumps et tout, ouais. Donc là, on est contre un premier joueur. Hein. C'est Breach Fate. Donc là, faut que Katlin elle carry. Et là, Katlin elle est en train d'essayer de carry, elle est en train de donner tout ce qu'elle a. Ouais, c'est bon, ils sont en train de focus le Blitzcrank. Oh, regardez là, comment en train de tout découper. Oh là là, oh l'ultimate. Oh là là, pff, elle a découpé, mais elle a cassé des bouches, hein. Elle était bien. Bon après c'est pas forcément ouf de gagner en early parce que okay, j'attends que ça repop le shop là. Ok, allez le shop. Ah non mais là y'a rien, bordel, y'a rien. Bon je fais un coup actualisé quand même. Oh ok, on a une Caitlyn, ça c'est good. Ce qui fait que ma Caitlyn est niveau 2, hein. Vous avez vu comme elle est belle, comme elle est forte et tout. Et ça veut dire qu'elle est niveau 2. On va acheter un peu d'XP histoire de passer au niveau suivant et là du coup je peux remettre un personnage. Je peux mettre elle par exemple. Hop là. Ou alors je sais pas si ça marche si je mets lui. Ah ouais ça marche pas parce que j'en ai déjà un. Si c'est deux fois le même ça marche pas, ok. Parce que vous avez vu je peux avoir 4 persos parce que je viens de passer niveau 4. En bas à gauche c'est indiqué niveau 4. A droite on peut voir les différents adversaires également. Donc je vais vous montrer un petit peu, on peut switcher un petit peu, voir ce que les adversaires sont en train de build, etc. Donc là par exemple, il a nous on a le Blitzcrank qui va les ramener un petit peu au corps à corps. On les dépop. Oh là là, les dégâts qu'on leur met. What the fuck. Mais notre Caitlyn elle est goldée. Elle est goldée à mort. Regardez Lucie, elle va lui faire trop mal. 833. Elle a mis 1839 dégâts à droite. Super bien fait hein, le récap également à droite là. Sur les scores. Oh putain mais ce jeu est goldé hein. Ce jeu est trop bien. On prépare le shop. Ok oui, il y a de nouveau des Caitlyn, faut qu'on soit au taquet dessus. C'est parti. Ok, il n'y a pas l'air d'en avoir. Je vais réactualiser un coup quand même, on sait jamais. Ok, il y a un petit chronote, un autre chronote. Ça veut dire que lui, je peux le retirer, je peux mettre mon quatrième chronote. Et voilà, là j'ai du 4 sur 6 en chronote. Ce qui veut dire que je vous montre plus 35% de vitesse d'attaque toutes les 4 secondes. Donc ça, c'est goldé. Hein. Clairement, c'est vraiment bien. J'ai plus que 1 d'XP, donc là, je vais devoir attendre un petit peu. On va pouvoir après aller voir un peu les magasins des autres et tout, ça va être cool aussi, ça. Je pense qu'on est pas trop mal en positionnement comme ça, en vrai. Je sais pas si S faut que je mette plus devant ou... Oulala, Malphite, oulala, ça va être tendu. Ils sont 4 là déjà, hein, ouh. Ok, c'est bon, ça a chopé le petit derrière. La Caitlyn qu'elle DPS. Oh, c'est bon, elle a mis un petit coup de statique à tout le monde. Allez, vous faites le grudge, hein. Tu le découpes, Caitlyn. Ok, elle tue le dernier. Oh là 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 là. Mais regardez là. Mais regardez là, elle est en train de nous carry, mais de A à Z, Caitlyn. Non, non, tu le tues. Ouais, c'est bon. 1983 dégâts. Et ça... Ça, ça passe. Attends, en vrai, c'est marrant ce jeu en fait. Là, par contre, vu que je suis premier, je vais devoir choisir en dernier mon personnage. Moi, j'aimerais bien choper une BF également. Donc là, vous voyez, je peux pas sortir pour l'instant parce que je suis bloqué. Il faut que j'attende que les gens y choisissent. C'est chacun son tour et c'est celui qui est dernier qui peut choisir. Moi, par exemple, il me faut à tout prix Blitz. Ici, Blitz. Ouais, j'espère qu'ils vont me laisser le Blitzcrank. Laisse-moi le Blitzcrank, mec. Laisse-moi le Blitzcrank. Oui. Non. Non, mec. T'as fait n'importe quoi. Bon, bah, chaîne, alors. Non. Oh, c'est pas grave. Tant pis. Ok. On est là. Ok, chronote là. C'est vrai que chaîne, c'est aussi un chronote, donc ça me va. Ok, actualiser. Il me faut de l'autre chronote. Je réactualise un coup ou pas? Non, on va attendre. On a que deux, oui, on a que deux, de toute façon, ça sert à rien. Alors,
Là j'ai un S, alors je vais pouvoir vendre un petit peu. On va pouvoir mettre également le chêne, hein, je pense tout de suite. Le chêne qui a l'attaque speed, tranquille. Xayah clairement on n'en a pas besoin, on la vend. S'il nous fait des piécettes, là on aura du TF, on aura du S. Alors mon but évidemment c'est d'avoir un max de chronote là, pour avoir plein d'attaque speed. Et avoir idéalement les chaînes et le biscron pour aller carry devant. Par contre là le mec il a déjà une lame de Ginsu, oh ça peut être tendu hein. Faut que Katlin elle le découpe et Katlin elle a pris cher hein. Oh là là, je crois qu'on va le perdre, on va peut-être perdre ce premier fight. Non, Katlin, ton ulti, oui, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Là y a un bail, y a quelque chose. Malphite on tombe, oh là là, mais Katlin elle perd une fois. 2600 dégâts, elle, ça, je veux dire, je vous connais pas le jeu en plus moi. Donc c'est bien, ça me va. Elle est en train de faire plaisir. Alors, chronote direct, actualiser, chronote. Actualiser. Est-ce qu'il me reste des chronotes? Non, donc on va acheter de l'XP du coup. Et allez, on passe niveau 5, ce qui veut dire qu'on peut rajouter un bonhomme. On va rajouter S. Là j'ai 5 sur 6 chronotes, c'est-à-dire qu'il me faut juste le dernier chronote que j'ai pas encore. Vous voyez à gauche, hein. Il manque un chronote et là on va se mettre extrêmement bien. Okay. Là on tourne bien, on laisse bien Katlin dans le coin parce que Katlin elle est bien cachée dans le coin et on la protège bien avec tout le monde, parfait. Faudrait peut-être que j'en mettrai encore un plus à gauche devant Katlin, en vrai. Ah on retombe sur Mrs. Yugi. Mrs. Yugi avec sa Leona, oh là il m'a pris ma Katlin, non ma Katlin, non. Ça va elle est là, elle est DPS hein, elle est là Katlin, non elle meurt, elle se prie vie. Aïe. Oh mais là sans Katlin on est foutu en vrai hein. Le 3 contre 2 on va le perdre hein. Y'a Katlin qui carry chez nous. Allez, faut les tuer. Ah, même pas, même sans Katlin, on est là. TF, 1600 dégâts, TF. Oh là là, mais TF, il régale. C'est bien ça, TF, c'est ça qu'on veut. Donc ça va être contre des monstres, ok. Donc chrono, vite fait. Tac. Chrono. Le temps de l'homme est passé. Le temps de l'homme. Ah, j'aurais plutôt dû prendre chaîne ici, je pense. Ah, c'est pas GG ce que je viens de faire. Tant pis. Je pouvais choper un chêne, je crois que je peux bloquer du coup. Dire je bloque comme ça, après j'aurai de nouveau mon chêne. C'est ça, normalement ça marche comme ça. Nickel. Voilà. On protège bien Katlin, normalement les monstres on les dépape hein. Normalement là on se met bien sur cette vague. Oh regardez là, elle donne tout ce qu'elle a. D'ailleurs c'est questionnable d'avoir mis de la RM sur... Ouh. Je récupère, hein, calmez-vous. C'est quoi ça? Ça doit bien servir à quelque chose, spatule. Je sais pas à quoi sert la spatule. Par contre, j'ai des dégâts. Est-ce que je peux le remettre sur Katlin? Ouais. Mince, attendez, shop. Avec honneur. Bon, ouais, je refais un dernier coup comme ça. Et après, il faudra que j'aille choper les. Faudra que je monte mon XP hein, plutôt. Donc là, au niveau des objets, j'ai dit que ça pouvait aller sur Katlin. Ah ouais ok, ça la booste, ça lui met autre chose. Ça, est-ce que sur Aze... Bah je sais pas à quoi ça sert en vrai. Ok, ah ça booste un objet existant, pas mal. Elle nous sert à rien, regardez les étoiles, sorcier, Syndra, on va la vendre. Il nous faudrait vite fait qu'on ait 6 places sur nos persos, ce serait vachement mieux. Allez, on a chopé TF, et ça c'est bon, hein, parce que le TF il va faire des dégâts. Regardez notre Katlin, hein, comme elle est présente, et pendant qu'il est en train de fight dans le fond. Katlin fait l'ulti, elle a fait un peu sur un perso qui était déjà mort, c'est pas ouf. Allez, let's go. Eh n'empêche, on est en train de gagner tous nos fights, c'est incroyable. C'est ouf ce qui est en train de se passer. Oh, elle a mis les 2100 dégâts, là, elle était présente. En fait, j'aimerais bien continuer vite fait à refaire de la... Voilà, chrono, bim. Tac, chronote, non, il n'y en a pas là. Oh, allez, oh, Katlin elle évolue, oh là, ça c'est goldé. Hein. Et on achète de l'XP maintenant. Ah, bah Katlin elle va être pas mal, hein. Elle va être pas mal du tout. Alors, en termes de terrain, il me refaudrait un chêne. Vie, je peux la vendre en vrai. Je sais pas où je l'ai chopé, où je l'ai chopé. Des fois j'ai des persos, je sais pas du tout où je les chope. Genre, je sais pas pourquoi j'avais une vie là. Hein. Mais ok, il doit y avoir une raison. On est bientôt niveau 6, hein. ça va être pas mal aussi. Oh la vache. Ok, Wolftrain il est chaud en fait. Tu vas tranquille avec nous Wolftrain hein. Tranquille mec hein. Ça se passe hein, tranquille. Oh c'est bien, Katlin a fait les bons focus hein.
Ah merde, je crois qu'elle va mourir. Oh, notre première défaite. Non. Oh non. Ah, Wolf Train, il est en série de 4 victoires. Il est chaud, le mec. Hein. Ah ouais, le mec était chaud. On n'est pas tombé sur n'importe qui. Hein. Ah, j'en ai plus des... Damn. C'est la PLS, j'ai plus rien là, j'ai plus rien du tout. Bon, ça c'est bien, ça c'est des trucs ensemble, on va mettre S comme ça on peut visualiser un petit peu. Donc là il nous faut à tout prix un shade supplémentaire ou un blitz supplémentaire, après ça fait passer que niveau 2. Il faut vraiment, ouais, ça va être long. Ça va être compliqué de d'atteindre le niveau max hein, sur nos persos. Bon, est-ce qu'on se refait démonter maintenant? Est-ce que genre on atteint la fin de notre power spike et on se fait tout le temps démonter ou est-ce que ça part? Ça, il a pas chopé Caitlyn, ils ont chopé notre assassin. Ouais, on est en train de découper la Caitlyn en face, mais d'une puissance. Oh! Oh, mais non, ça va en fait, hein! Oh non, ça va grave! Ah, oh, ouais, Caitlyn elle a encore carry quoi. Elle est niveau 2, hein, elle est niveau 2, donc il m'en faut vraiment plein d'autres pour aller passer niveau max, ça va être un peu compliqué d'eau ça. Donc je pourrais passer niveau 6 également si j'achète de l'XP. À dénoter. Je vais attendre de voir ce qu'il me propose là sur le shop. Je me dépêche hein, parce que... Ah non, ok, c'est le tour de ça. Donc là, je vais devoir attendre un petit peu mon tour. C'est un peu chagrin. Je crois pas qu'il y ait des gens qui soient chrono, tu vois. Mais c'est pour ça qu'il faut bien connaître les persos, parce que ça vous permet de savoir ce qu'ils font, parce que sinon, si vous savez pas, vous pouvez pas prendre la bonne faction et tout, c'est un peu galère. Laissez-moi y aller. Moi je veux Darius avec sa BDP. Non. Ok, bah écoute, on va prendre ça. Hein. Allez, je suis premier, donc je choisis en dernier. Enfin, en avant-dernier, quoi. Ouais, on pèse un peu dans le game pour l'instant, donc on a des choix. Les choix de la fin. Ok, prends notre là, direct. Et on est niveau 6, donc je peux refaire un coup de shop. Pas de chronote, ok. Pour l'instant, je me focus sur les chronotes parce que c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus évident. Mais ça, d'ailleurs, elle est quoi? Elle est rebelle mystique, donc elle, on va la vendre. Du coup, ça veut dire qu'on récupère un objet, on récupère une cote de maille. Et là, normalement, je peux la mettre sur Blitz pour faire un truc de ouf. Ouais, c'est ça. La Blitz, du coup, il a un super item. En fait, vous pouvez booster les items entre eux, enfin, faire des combos d'items. Buff rouge. Attendez, je crois que je pouvais remettre un perso. Oh non, je peux pas remettre un, j'en ai pas remis. Ah si, c'est bon, j'ai mis un deuxième blitz. Bon, c'est pas ouf, mais... Ouais, c'est pas incroyable, mais bon, c'est pas grave. On va dire que c'est volontaire. Allez, Caitlyn, allez, Caitlyn. Tu DPS, tu donnes toute ta vie, hein. Oh, lui-ci, il va faire trop mal, regardez ça. C'est bon, ça tombe. Non, ça va. Mais en vrai, tant qu'elle est en bas à gauche et qu'elle DPS à mort, vu qu'elle a full attack speed avec notre équipe, ça va. Hein. Donc évidemment, quand l'adversaire perd, il prend des dégâts. Hein. Son petit invocateur, vous avez vu, il prend des petits dégâts. C'est normal. C'est normal, hein, d'ailleurs, comme diraient certains. Ah, du S, ça fait plaisir. Ok, le chêne qui passe. Et ça, on booste le chêne. Et ça, c'est cool. Ça, c'est grave, goldé. Je vais remettre le deuxième chêne, genre devant là. Donc, j'ai un chêne niveau 2, une qualité niveau 2 sur le board. Donc, là, il faudrait que j'arrive à les mettre niveau 3. Donc, c'est-à-dire à avoir de nouveau des niveau 2. Et après, une fois qu'elle est niveau 3, c'est fini quoi. Genre, le game il est cassé quoi. Là vous avez vu, toute mon équipe est niveau 2, hein. En fait les petits symboles que vous voyez à côté, ça vous permet de savoir le niveau de vos persos. Et ça c'est cool. Oh là là, Zongaren il a tout. Oh, il a tout Zongaren. Que tuez-moi ça, tuez-moi cette aberration de la nature. Mais il est ange gardien donc il va repop, mais normalement on arrivera à le tuer deux fois. Hein. C'est bon, Caitlyn elle est là. Oh là là. Par contre du coup il redevient 3 créatures, mais c'est complètement goldé. Je comprends même pas qu'on gagne ça honnêtement. Enfin, on va peut-être pas le gagner d'ailleurs. Vous avez vu les interactions de ouf? Genre il devient une créature, il en redevient une autre et tout, mais c'est incroyable. Moi je sais même pas qu'on gagne non mais... On gagne quand même. Genre il s'est passé des trucs incroyables mais on gagne quand même, on est présent quoi. Le temps de l'âme. Bon je reprends mes chronotes, je sais pas si c'est le bon plan de vider ma mana en chronotes mais Mais bon, moi c'est la vie que j'ai appris quoi. Là, moi on m'a appris la vie comme ça.
Pas du tout, pas du tout. Mais bon, je suis parti là-dessus, alors je reste là-dessus parce que je veux en plus mon 6ème chronote et j'aimerais bien avoir mon niveau 3 de perso, donc là ça va être des petits monstres, donc c'est tranquille, ça devrait bien se passer. Ah, ils ont tous sauté dessus là. Okay. Ouais, ça va. Hein. Ok, un full item. Allez, c'est parti. Où tous ces bons objets? C'est maintenant ou jamais. Ouais, ok, j'en ai pas plus. Juste prendre de l'XP, tant pis. Alors, l'attaque speed, on va la remettre sur Caitlyn. Elle mérite. On lui rebooste avec ça, parce qu'elle mérite aussi. Et là, l'armure, on va la mettre sur... Bah sur Shen. Shen, c'est pas mal. Shen, il a besoin d'un petit peu de RM. C'est de la résistance magique. Quoi qu'il y ait de la résistance magique. Là, Caitlyn, elle a 3 objets. Hein, donc, en théorie, elle va quand même faire du bon DPS. Par contre, en face, ça va commencer à être costaud, les équipes. Hein. Là, genre, par exemple, vous avez vu l'équipe en face, elle commence à être un petit peu vénère. Hein. C'est un petit peu solide. Oh, allez, TF, tu DPS, tu donnes tout. On pète celle qui a lié. On pète celle qui a lié. Oui. En fait, c'est Caitlyn, elle fait tout, quoi. Tant que Caitlyn est sur le terrain, bah à gauche de la map, tout se passe bien. Hein. Oh, j'ai envie de voir les DPS qu'elle a fait. 2400 DPS, oh mon dieu quoi. Oh mon dieu. Ah, j'ai hâte de pouvoir la level up. Hein. Pas se mentir. Hein. Bon, on va revendre sur Raka, je crois. La question de faire demi-tour. Ok, actualisé. J'aurais bien aimé avoir mon dernier chronote, mais je l'ai pas là quoi. Là c'est un peu triste quand même. Sinon on va essayer de passer le niveau 7. Histoire de dire. Non, je vais chercher mon dernier chronote. Non, je l'ai pas. Parce que là j'ai que 5 sur 6 en synergie. Le 6 sur 6 il change vraiment toute la vie, mais là par exemple, là, le problème c'est que j'ai 2 chaînes et il manque le dernier en fait. Il manque le dernier chronote. Démolisseur, nana. Ça, faut que je vois comment je l'ai récupéré lui. Je sais pas où je l'ai récupéré ce truc. Voilà, ok, là il y a fight. Là on est en train d'aller chercher Espar alors derrière pendant que Caitlyn est en train de donner toute sa vie encore une fois. Et elle a raison Caitlyn. Hein. Vous avez vu, on est premier hein, pour l'instant à droite. Hein. Moi ça, je pense que ça va pas rester, mais genre on peut faire un bon tap en vrai. Hein. Oh, on l'a découpé quoi, on l'a démoli le mec. Oh. Incroyable. Bah, je reprends un peu d'XP du coup, tant qu'à faire. J'aimerais bien passer niveau 7, juste voir ce que ça fait. On prépare le shop hein, au cas où on puisse choper notre dernier chronote. Faut que je vois, j'irai lire après sur internet c'est lequel le dernier si je l'ai pas là. Allez, ok, prochain coup on passe niveau 7. Je sais pas ce que ça changera, mais prochain match on passe niveau 7. Je me dis j'ai 94 HP encore, donc je peux tenter de passer niveau 7 et après rechercher mon dernier truc, ça ira. Donc c'est parti. Là on laisse le combat comme ça, genre on n'a pas fait d'amélioration, donc en théorie on va se faire démonter à ce fight, mais c'est pas grave. Par contre il manque une Caitlyn niveau 2. Ah ouais. En gros, dans deux Caitlyn, je l'ai niveau 3. Ah, il aurait vraiment fallu que je fasse ça, je pense. Je vais aller chercher full Caitlyn, quoi. Parce que là, j'en ai deux niveau 2. Il m'en manque juste une dernière niveau 3. Parce que je vous dis, 3 Caitlyn niveau 2, et on a une niveau 3. Donc, il aurait fallu que je fasse ça avant de chercher l'XP, je pense. On va faire ça, on va essayer de faire ça sur le shop. Bon, je vous dis, je pensais qu'on allait se faire démonter. On a perdu Caitlyn et tout, ils ont encore des objets. Ah, Blitz, il carry un peu, quand même. Hein. Oh là là, il carry, vénère, Blitz. Oh, oh, mais Blitz, il a tellement carry. What the fuck. Trop showbiz en fait. Trop énervé quoi. Bon, il me faut ma dernière Caitlyn. Ah, ça serait tellement goldé de l'avoir. Par contre, vu que je vais être niveau 7, j'aurai des trucs plus forts qui vont me proposer. Moins de Caitlyn, ça veut dire. Donc il y a moyen que je puisse pas l'avoir. Hein. Ah, à moins qu'il y ait quoi là. Il y a quoi. Bah, de toute façon, je suis en dernier. Je suis premier, donc je vais choisir en dernier. Donc je vais voir ce qui me reste et puis tant pis. Hein. Alors ce qu'il faut faire en HL sur ce jeu, c'est de regarder également ce que les autres font et ce que les autres ont comme composition pour essayer de contrer, soit en termes de positionnement vous-même, soit en termes de composition, simplement dire ok tel compo elle contre tel compo, donc il faut plutôt partir là-dessus. Là on est sur un premier truc, donc tranquille, hein, tranquille. Hein. On va dire lui.
dernière Caitlyn, s'il vous plaît. Une Caitlyn. Oh, j'ai aucun chrono, j'ai rien. Là, c'est la misère un peu. Là, c'est un peu la tristesse. Hein. Bon, on rebooste chaîne. Ça, c'est pas mal. On booste chaîne. Mais, je peux en mettre un 7ème? Non, j'ai pas le temps. Je peux en mettre un 7ème, j'ai pas mis. Ah, si, il y a une Caitlyn qui s'est mise toute seule. Bon, à droite, là, je sais pas pourquoi, mais elle s'est mise toute seule là. Oh, ça va être galère. Hein. Alors, Serge va attaquer vite. Serge va attaquer vite, mais ça va quand même être galère. Hein. Faut pas se mentir. Oh, ça fait dégoûter. Leur TF, il fait trop mal. Hein. Oh, la deuxième Caitlyn. Oh, elle était présente, mais comme un seul, comme une seule femme, du coup. What? 3800 à Caitlyn. Oh, je l'avais niveau 3, je l'avais niveau 3, ce mal lui. Il me l'a faut niveau 3. Oh, c'est Wukong, c'était Wukong le dernier, ok, c'était Wukong le dernier. Ok, là je les ai, j'ai 6, donc ça c'est good. Ok, on continue encore un coup. On tente Caitlyn, ok, on a un autre TF. On va quand même le prendre, on va quand même le prendre, d'accord. Tout le plaisir est pour moi. Il ne reste plus que 2 piécettes. Donc là on a nos 6, attendez, je crois que je peux remettre un 7ème quand même. Non, ok, là j'en ai 6, j'ai 2 fois chaîne, c'est pour ça. Ah, mais là regardez le boost de vitesse d'attaque que je vais avoir. Alors je sais pas si 2 chaînes c'est bien, mais. Putain, mine de rien, ça va vite quand tu connais pas le jeu. Genre, quand tu connais tous les bails du jeu, je pense que ça va super vite. Mais ouais, donc là j'ai 65% de vitesse d'attaque à partir de maintenant. Regardez, là il va y avoir un bust. Voilà, et maintenant là j'attaque vite. Maintenant j'ai 65% de vitesse d'attaque sur tout le monde. Vous avez vu la vitesse d'attaque de mes unités là? Énorme! Énorme! Oh, ah ouais, on l'a démonté, hein, mec. Donc là par exemple, suivant les unités qu'il a, il sait que je positionne toujours ma Caitlyn au même endroit. Donc il peut se dire, ok, je vais aller contrer ça, sa Caitlyn elle va disparaître et je vais la gérer. On voit que Izuku il est en série de 4 victoires, donc il est un peu chaud le mec. Là pour l'instant je me concentre sur notre partie, je regarde pas ce qui se passe en face parce que sinon ça rajoute un petit peu la complexité quand même. Avec honneur. J'attendais cela avec hâte. Chronote, ok, j'ai pris tous mes chronotes. On est bon. Ok, j'ai 2 Wukong. Et là, je commence à plus avoir de place. Ça, c'est un peu galère par contre. C'est un peu relou ça. Parce qu'il faudrait que j'ai de la place pour les. Si je récupère des persos en plus. Parce que j'ai 40 chaînes, j'ai 40 trucs. Bah, au cas où ils évoluent évidemment, mais. Tant pis. Là, on devrait ramasser ma 6ème. Je pense que ce positionnement il est correct de nos cartes. Là, on est bien là. Avec un 6ème. 10 piécettes. 10 piécettes. Je sais pas ce qui se passe si t'es full board et que tu récupères un champion. Genre du coup s'il te donne des piécettes ou si vraiment il faut pas être full board. Quoi. Ça j'ai pas la réponse. Putain, il me refaut un Wukong. Tant pis, je vais devoir sacrifier un raise. Wukong il me le faut là, je passe niveau 3, c'est trop goldé, c'est trop goldé. Obligé. Thresh aussi, oh mon dieu, Thresh il a l'air fort. Ok, j'ai plus le temps de faire plus, hein. Tant pis. Ça, il me faut vraiment ma Caitlyn, mais vu que c'est une des premières cartes, en fait, du coup, c'est dur de l'avoir niveau 3 maintenant, parce qu'il me propose que des grosses cartes. Vous avez vu, il me propose plus les petits trucs. Du coup, forcément, bah là, j'ai pas de nouvelles Caitlyn qui sont proposées, donc c'est un peu la galère. J'ai 7 chronos sur 6, quoi, on sait jamais. Oh là, je me suis fait découper, quoi. Je me suis fait atomiser mon équipe, hein. En vrai, ça va, on est 2 contre 2. On est 2 contre 2, ça se passe en vrai? Oh! Oh, let's go! Oh, let's go! Oh, yo, yo, c'est quand même passé, incroyable. J'attendais cela avec hâte. Ok, pour reprendre un TF, faut que je vende une carte, je vais vendre un chaîne, tant pis. Parce que j'ai déjà 2 TF, donc c'est bien que je prenne des TF quand même. Ah, je voulais d'autres chronotes, là, il n'y en a pas d'autres? Calmons-nous. Bon, tant pis. On va acheter de l'XP du coup. 2 fois de l'XP, c'est bien. Ah, mais je veux ma Caitlyn. Ma Caitlyn, j'avais niveau 3. Il m'en manque une, quoi. Vous vous rendez compte? Il m'en manque 2. Ah, il manque 2, c'est chaud quand même. J'aurais dû la passer niveau 3 avant de monter les niveaux. Ça, c'est quand tu connais le jeu, tu vois. Tu sais comment il faut faire quoi. Mais bon, c'est pas grave. Hein.
Honnêtement, si on fait un top 3, on est déjà content. Oh là, on est en train de remettre tellement cher avec nos full chrono train. Oh, mais qui va faire trop mal. Ouais, 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 Léona, elle tombe aussi. Tombez-moi, Léona, par contre. Oh là là. Et notre chaîne, il est en train de carry à chaque fois, c'est incroyable. Il fait trop mal, chaîne. Mais c'est quoi ce truc là? C'est un biscroc? Attendez, le petit truc là. J'ai un petit truc. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est... Ok, c'est un bits aussi. Ah oui, c'était un bits aussi. Ah, bits, bits, bits. Est-ce que j'en reprends un du coup? Là, j'ai deux TF, donc ça serait bien de garder pour les TF. J'ai une Caitlyn en rab, ça serait bien également de la garder. Ah, on doit faire des choix, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud patate qui se passe. Ah, TF, il m'en manque qu'un, genre c'est obligé, je garde pour les TF. On va sacrifier Blitz, hein, au pire. Ouais, sacrifier Blitz. Hein. Putain, c'est pas évident comme choix, vraiment pas évident. Hein. J'ai pas d'autres chrono de proposer, ok. Ah, c'est tendu! C'est tendu à mort! C'est compliqué d'où tout ça! En vrai, le jeu fait vraiment faire des bons choix, c'est cool! Hein. Genre, c'est kiffant quoi! Oh là là, on est en train de les découper encore une fois, vous avez vu l'attaque speed qu'on a? Bon, là il reste deux, hein. Faire gaffe, mais oh là là, mais on tape tellement vite! 3900 dégâts, Kathleen! 3900 quoi! Ça, elle nous carry chaque partie, hein. Toutes les parties, elle est là, Kathleen! Donc là, il nous faut un TF ou une Kathleen! Mais bon, ils nous le proposeront plus, hein, c'est fini. Hein. What? Ah oh ouais, là, ils ont des objets vénères, hein. Ils ont des stades évolués d'objets et tout, c'est tendu. Je choisis en dernier, encore une fois, parce que je suis premier pour l'instant. Je suis grave premier, mais franchement, je pense qu'on la gagnera pas en plus au final. Parce que j'ai été trop vite en niveau, là. J'arrive pas à choper ma dernière Kathleen, c'est le chagrin, c'est triste. Moi, je vais me faire vers de Stark aussi. Je veux Luxe. Je sais pas ce que ça fait, mais ça a l'air bien. Enfin, je sais ce que ça fait sur League of Legends, mais pas sur TFT. Mais ça a l'air bien, sinon. Good. On la vend. Ça ressemble, nanana. Je suis en train de claquer toute ma mana pour essayer de chercher des chronos, j'en ai pas. Tant pis, on va racheter au niveau 8. Hein. On va racheter au niveau 8, tranquille. Les objets, oui, ce serait bien de les utiliser. On va booster Ez. Faut bien avoir un deuxième DPS au cas où, quoi. Ez, il est pas mal en plus, donc on va booster un petit peu Ez. Oh, il se passe des choses, hein. Oh là, il y a la baston totale, hein. Ah, Kathleen, faut que tu carries, hein, meuf. Faut que tu carries. Tu donnes tout, Kathleen. Oh, mais la vitesse d'attaque qu'on a! Avec nos 7 chrono. What the fuck! Mais regardez ça, on est une armée! Qu'est-ce qui se passe? Putain, on lui a mis trop cher, hein, mec. Ah, bon, on l'a tué. On l'a tué, on est dans les 5 restants au minimum. Ok, pas mal, pas mal, pas mal. C'est à droite, hein, toujours, hein, les scores, les à droite, les scores Toto. Oh, comme je suis en train de kiffer ma Miravie, en vrai. Moi, j'ai dit que je voulais passer niveau suivant pour voir un peu. Vas-y. On part du principe que de toute façon, même si on se booste pas à ce tour, ça devrait aller. Au pire, on meurt pas. Genre, on a encore suffisamment d'HP pour tenir un round. Donc, c'est pas grave si on en bat pas un là. Genre, lui, eh, vous avez vu, il commence à avoir des bords de fou hein, chez eux. Bon, je vous dis, on fera ça sur une autre vidéo, hein, voir un petit peu les strats des autres et tout. On va rester assez simple pour l'instant pour ce tour. Donc là on passe niveau 8 tour prochain. Là on pourra se racheter du coup facilement plus des trèches etc. Là on va se faire découper hein. Si Blitz il prend Kathleen c'est fini. Ok elle est immunisée. Ok elle a bloqué le grapple. C'est bien joué ça. Bien joué de la part de Kathleen. Là j'ai mon boost de vitesse d'attaque. Je commence à taper un petit peu plus vite. Il a fait 3600, je me dis, eh, c'était le gars sûr. Eh, c'est le gars sûr, il est là en douce, mais en fait, il est là. Alors, en vrai, vous pouvez compter sur Ez.
On a quand même battu le mec, donc on est top 4, hein. Top 4, hein. Top 4 quoi qu'il arrive. Passe niveau 8. Ok, donc là je peux rajouter un champion. Ouais. On va rajouter un deuxième Wukong, un truc comme ça. Et pas de chronote, pas de chronote, ça c'est triste. Tant pis. Ah, plutôt que de rajouter un deuxième Wukong, j'aurais mieux fait de remettre une autre unité qui peut... Ah bah non, j'ai que des doubles. J'allais dire, j'ai une autre unité pour avoir un bonus en plus, mais non, j'ai qu'une armée de doubles, donc tant pis. Ça ne marche pas. What, c'est quoi ce truc? Ah, c'est un PNJ, c'est un mob. D'accord. Ah ouais, c'est un mob, ok. Est-ce qu'on gagne quand même? Ah ouais, l'épée est forte, hein. On va la mettre sur Aze aussi. Vas-y, il va être gold et Aze. Vas-y, il va tellement carry à mort, quoi. J'ai toujours pas de chronote, moi. Aze, est-ce que ça vaut le coup de reprendre un Aze? Non, je le passerai pas niveau 3, hein, ça va être trop chaud. Par contre, je peux reprendre un Thresh, ça c'est sûr. Allez, vas-y, un autre Thresh, mec. Un autre Aze, ouais, mais ça m'arrange pas. Je suis pas parti sur l'optique de mettre de plus de Aze. Par contre, je voulais mettre l'objet sur Aze. Voilà. Après, je pourrais les mettre sur Thresh également. Hein. Une fois qu'il passe niveau 2 Thresh, je vais commencer à le booster aussi, je pense. Oh là, je pense qu'on va se faire découper, c'est obligé. Vous avez vu l'armée qu'il a, le mec? Là, Yoda, il va nous découper, c'est obligé. Allez, là, on a notre 12 attaques speed maintenant. Ouais, c'est bon, là, on commence à attaquer un petit peu vite. Ça, c'est pas mal. Allez, on met les dégâts. Oh, on se fait découper. Ça se passe pas bien. Si, ça se passe bien! Mais ça se passe bien! Kelfin, elle fait son nuke là. 836. Oh là là. 3400 Kelfin, 3400 Aze. Hein. Et toujours pareil, je peux pas les placer niveau 3 en plus. Ça me... Mais je crois que j'y arriverai plus, faut que je fasse un trait là-dessus, faut juste chercher à passer mon trash au niveau suivant, je crois. Toujours rien. Ah, une Kathleen en plus. Oh, oh, il en manque une. Il en manquera qu'une. Une Kathleen. Une Kathleen, bordel. Wukong, j'en ai un deuxième là. J'en ai pas sur le shop, par contre, sur le board, par contre, c'est un peu nul. Je vais sacrifier Blitz, je vais dire Blitz en fait je le montrerai pas. Wukong je pourrais pas non plus en vrai, hein. J'en ai qu'un là. Attendu. Hein. Ah là franchement il y a un truc à faire, hein. On peut passer 4 lignes niveau suivant potentiellement. Ah, elle va se faire découper par Garen, par contre elle a un Garen énervé sur elle qui a tous les boosts, qui va revive la planète. Heureusement on a le temps de découper le reste pour l'instant. Là on a quand même pas mal d'armées, ils vont pouvoir se projeter sur les respawns de Garen, mais ça va être chaud. Ah ça va être trop chaud, ça va être trop chaud. C'est fort ce truc hein, de l'ange gardien qui se réveille tout le monde là, à l'aise. La Kathleen est niveau 1,5, tranquille, laissez-la. Aze, oh Aze il a presque carry. On est mort mais c'est pas grave. C'est pas grave. TF, on parle à ça au niveau suivant. Oh TF on l'a à niveau 3 là. Oh, il faudrait lui mettre des objets, hein, TF. Oh, là, niveau 3, TF. Il faudrait vraiment que je puisse lui mettre des objets. C'est dommage, j'en ai pas, là. Pas de chronote en vue. Pas de chronote. Tu vas regarder les pièces, tant pis, pas de chronote. C'est chagrin, mais pas de chronote. Alors, les Kathleen, on va les arranger un peu, comme ça, on est sûr de savoir où elles sont, etc. Savoir ce qu'on a en rab. TF il est niveau 3 hein. Enfin, c'est dommage, je lui ai pas mis d'objet hein. Il est niveau 3 TF bordel. Faut vraiment que je mette des objets à TF hein. La TF niveau 3 il peut carry tout le monde hein. Allez, on a le boost d'attaque speed là, on y va. On donne tout ce qu'on a. Ah ouais TF il a tout donné là. Regardez le TF en bas hein. TF c'est celui en bas là, c'est petit stuff fade. Celui tout en bas, en bas au milieu. Oh là là là. Regardez, il a fait 3000 dégâts. Il a fait 3000 dégâts, il a 0 objet sur lui. Il reste plus que moi et Vredge Fate. Il reste plus que moi et l'autre. On est au minimum top 2. On a 78 HP. Il faut qu'on le batte une fois le mec en face. Moi il me faut le meilleur objet pour TF. Je sais pas c'est quoi le meilleur objet pour TF par contre. What? Ça m'a rien pris? Ah super. Je croyais que je pouvais choisir. Ah oui, il y a peut-être que lui qui peut choisir. Je suis un peu triste quoi.
Allez, 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 une dernière Caitlyn, c'est tout ce qu'on demande. Non, y a pas. Ah, damn it. Lui, il peut nous battre en boucle et gagner, hein. C'est ça le problème, hein. C'est ça le problème d'être dans les deux derniers, hein. À tout moment, il nous bat en boucle, il nous gagne, hein. Allez, bah nous, on chope une dernière Caitlyn et on est bien. Mais là, ça va être galère. Ah, il a bien split ses unités, ok, très bien. C'est son Garen, hein. Encore une fois, on se souvient de ce Garen un peu énervé. Il nous a battu déjà. Allez, vous me tuez bien tout ce qui reste. Allez, vous me tuez tout. Vous me tuez tout, les copains, là. Faites le travail, hein. Il reste que deux en face, hein. Vous donnez tout ce que vous avez, hein. Ça tombe. Allez, on attaque speed, on donne tout. On y va. Chaîne pour la victoire. Ah non, il y a encore l'ange gardien. Oui. Top 1. Top 1 sur notre première partie ou quoi? Oh, allez. Est-ce qu'on n'est pas trop fort sur n'importe quel jeu vidéo? Est-ce qu'en fait, on n'est pas des grosses stars? Est-ce que simplement, voilà, je vous laisse me dire, est-ce que je suis pas simplement une grosse star? Voilà, arrive un moment, on est top 1, bordel. La première partie, on installe le jeu, on fait top 1, on connaît pas le jeu, on top 1, on s'en fiche. Et on top 1 avec 90 HP restants. Genre même pas, on a été inquiété. Enfin si, j'étais inquiet, mais on dit pas ça. Oh là 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 là, mais le top 1 direct. Oh là là, bah, t'as une petite copie d'écran là. Oh, le top 1 direct. Ok, ça part sur la minia, ça part en vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à télécharger. Ça vient d'être sorti sur le Play Store. C'est édité par Riot Games, l'éditeur de League of Legends. C'est Teamfight Tactics. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en avez pensé du jeu, etc. Quels sont vos ressentis? Partagez la vidéo à vos amis. Voilà, partagez, c'est important. Il faut toujours partager, commenter, s'abonner. Enfin, tout ça, vous connaissez les bails, hein. Et mettre le pouce bleu. Tchou tout le monde. Prenez bien soin de vous.